adeptes de la grande toile, bonjour. Vous vous souvenez peut-être qu'en préambule de notre épisode consacré à Alien 3, je vous avais dit que nous n'avions pas prévu de faire une analyse du quatrième volet de la saga du Xénomorphe. Ce n'était évidemment pas parce que nous n'aimons pas Alien la Résurrection, mais à première vue, il s'agit plus d'un blockbuster d'action comme il y en avait des dizaines durant les années 90 qu'un prolongement des thématiques de la saga, et nous n'avions a priori pas grand-chose de plus à en dire. Il semblerait que ce soit d'ailleurs le consensus autour de ce quatrième volet. Malgré ses scores décevants aux USA mais solides à l'international, le film n'a pas déchiré la communauté de fans comme l'avaient fait Aliens et Alien 3 en leur temps, alors qu'il comporte pourtant son lot de transgressions à l'univers de la saga. Globalement, Alien 4 est considéré au mieux comme un épisode divertissant mais mineur de la franchise, au pire comme l'épisode de trop. I don't think the film really necessarily left a deep groove, but I think it's a continuation in that little string of pearls, you know. À cette réception en demi-teinte s'ajoute le fait que pour beaucoup de spectateurs de l'époque, la saga Alien était une trilogie qui s'achevait avec la mort de son héroïne, Ellen Ripley. D'ailleurs, quand la Fox lui a proposé la réalisation d'Alien la Résurrection, Jean-Pierre Jeunet lui-même était un peu dubitatif quant à l'intérêt d'un nouvel Alien. Dès lors, il est facile de considérer ce quatrième volet comme un épisode à part dans la franchise. Mais est-ce vraiment le cas? Quand on essaie d'avoir une vision d'ensemble de la saga, on pense souvent en premier lieu à la direction artistique, qui de film en film s'est enrichie des visions d'artistes aux univers très différents les uns des autres. Et c'est effectivement une part importante de l'ADN de la saga jusqu'à un certain point. Comme nous l'avons vu dans notre épisode consacré à Aliens de James Cameron, ce sont principalement les deux premiers films qui ont posé les bases de l'univers de la saga. Quant à Alien 3, il suffit de compter le nombre d'artistes, de scénaristes et de cinéastes qui se sont barrés en cours de production pour comprendre qu'il n'était pas simple d'imposer une nouvelle vision après les films de Ridley Scott et de James Cameron. Cet héritage des deux premiers volets semble également avoir pesé lourd sur les épaules des concepteurs d'Alien la Résurrection. En effet, malgré les 200 ans qui se sont écoulés entre le sacrifice de Ripley sur la planète Fiorina 161 et sa résurrection sur l'USS Auriga, l'univers de la saga ne semble pas avoir bougé d'un pouce. Bah oui, en deux siècles, personne n'a encore inventé de vaisseau supraluminique ni de moyen de franchir l'hyperespace, et les voyageurs sont encore condamnés à de longs trajets en hibernation dans des cryotubes. Quant au vaisseau, la tendance en matière de décoration d'intérieur est au corridor métallique avec câble apparent et lumière tamisée pour la 250e année consécutive depuis les événements du premier Alien de Ridley Scott. Pas non plus de rayons laser, on se bat toujours avec de bons vieux fusils, des lance-flammes et des grenades, comme dans chacun des films de la franchise. Et si l'on apprend au détour d'une scène coupée que la compagnie Weyland-Yutani n'existe plus, l'intrigue du film tourne à nouveau autour d'une sorte de complexe militaro-industriel qui tente d'exploiter les xénomorphes, et on peut imaginer que ce sont toujours de gigantesques compagnies privées qui font la loi dans la galaxie au détriment du bien-être de leurs employés. Même s'il était question que l'héroïne du film soit Newt dans les toutes premières versions du script, c'est encore Ellen Ripley qui rempile en laissant tout de même transparaître une légère pointe de lassitude. I think you will find that things have changed a great deal since your time. I doubt that. You're still gonna die. Mais tandis que les différents artistes ayant œuvré sur Alien 3 ont souffert de ne pas pouvoir proposer une nouvelle direction visuelle à la franchise, les concepteurs de ce quatrième volet, eux, semblaient absolument ravis de revenir dans l'univers de la saga. Everyone was just really, really excited to be in the movie. I mean, every actor was like, I can't believe, can you believe that we're in this movie? You know, it was like the big thing on the set. Et oui, Alien 4 est sorti 18 ans après le premier volet de Ridley Scott, et on peut comprendre que pour les artistes, techniciens et scénaristes qui ont travaillé sur ce quatrième volet, le simple fait de revisiter tel quel cet univers désormais mythique était une chance incroyable. C'était par exemple le cas de Joss Whedon, qui fut justement chargé par le studio anciennement connu sous le nom de Fox de ressusciter la saga. Le choix de Whedon est déjà un indice sur l'orientation que veut donner le studio à ce nouvel épisode. Au début des années 90, Joss Whedon était loin d'être un grand nom à Hollywood. Ses principaux faits d'armes étaient quelques épisodes de sitcom comme Roseanne et le script du film Buffy qu'il a très vite renié. C'est probablement avec son travail de script doctor sur des films comme Speed, Twister, Toy Story ou encore Waterworld qu'il s'est fait remarquer par les studios. Et on peut imaginer que c'est grâce à ses talents pour débloquer des récits dans l'impasse qu'il a été recruté sur Alien 4, mais peut-être aussi parce qu'il était un peu plus malléable que les autres scénaristes de la saga Alien. Et oui, s'il y a bien une chose qui distingue Alien 4 de ses prédécesseurs, c'est bien sa production, car il s'agit du premier film de la franchise à être conçu comme un blockbuster.
Contrairement aux trois volets précédents, la Fox décide de ne pas tourner cet épisode au studio Pinewood de Londres, mais aux États-Unis dans leur studio de Los Angeles. La raison principale, c'est que Sigourney Weaver, alors coproductrice du film, ne souhaitait pas s'éloigner de sa famille. Mais bon, le fait de ne pas avoir à traverser l'océan Atlantique pour superviser le tournage a dû également bien arranger la Fox. À propos de supervision, Alien 4 est le seul volet de la saga sur lequel les producteurs Walter Hill, Gordon Carroll et David Giller n'ont pas travaillé. Ils étaient même fermement opposés à la réalisation d'un quatrième film. So we, you know, we read their script and we thought, well, this is just going to ruin this franchise. This just doesn't work at all. Leur absence n'est pas anecdotique, puisque comme nous l'avions vu dans nos épisodes consacrés à Aliens et Alien 3, ces producteurs étaient également très impliqués dans l'aspect créatif de la saga. Parmi les quelques noms de réalisateurs envisagés par la Fox, on trouve Danny Boyle ou Peter Jackson, qui s'étaient tous deux fait remarquer avec Trainspotting et Fantôme contre Fantôme, mais les deux réalisateurs n'étaient pas intéressés. La Fox se tourne alors vers Jean-Pierre Jeunet, qui venait de sortir La Cité des Enfants Perdus, et qui accepte de faire le film sans trop comprendre pourquoi on lui confie soudainement le plus gros budget alloué à un volet de la saga Alien. Si le studio semble disposé à perpétuer la tradition et à confier les commandes de ce quatrième volet à un réalisateur avec une identité visuelle forte, on remarque quand même que leur choix s'est surtout porté sur des réalisateurs étrangers qui n'ont aucune expérience du système hollywoodien, ce qui leur assure un certain contrôle sur ces cinéastes. The first thing I said it was, why you want to hire me? I am busy. I don't want to make a Hollywood movie. And it was exactly the thing they wanted to hear, you know. Selon Joss Whedon, le quatrième volet n'avait pas vocation à révolutionner la franchise. Bah oui, pour beaucoup de personnes impliquées sur la saga, la suite logique était soit de faire un épisode sur Terre, soit d'aller visiter la planète d'origine des aliens. Mais après le bordel sans nom que fut la production du troisième volet, le studio ne voulait pas trop prendre de risques et demanda à Whedon d'écrire une sorte de mix des deux premiers films, ce qu'en bon fanboy, il était parfaitement disposé à faire. Bon, tout n'a pas non plus été idyllique. Comme nous l'avons vu, dans la première version de son script, l'héroïne devait être un clone de Newt, mais les producteurs étaient plutôt frileux à l'idée de faire un alien sans l'héroïne de la saga, et ils exigèrent que le scénariste fasse revenir Ellen Ripley d'entre les morts. Whedon était fermement opposé à cette idée, mais c'était là sa seule chance de travailler sur un film de la saga Alien, et il a fini par accepter de revoir sa copie. En revanche, Jean-Pierre Jeunet, lui, n'était pas dans le même état d'esprit quand il a débarqué sur le film. Il disait avoir accepté le poste car c'était un honneur pour un réalisateur français qui ne parlait pas un mot d'anglais de se retrouver aux commandes d'un film de la saga Alien. Mais selon son collaborateur Sylvain Després, qui était également storyboarder sur Alien 4, Jeunet envisageait cette réalisation comme une grosse publicité. Sylvain Després rapporte également que lors des premières réunions avec la Fox, les exécutifs du studio s'attendaient à ce que le Frenchie veuille se réapproprier et réécrire le script. Mais Jean-Pierre Jeunet leur a en quelque sorte coupé l'herbe sous le pied en acceptant d'entrée de jeu le scénario de Joss Whedon. Néanmoins, cette attitude conciliante est un peu stratégique, car la Fox n'avait plus de raison de lui tenir la bride, et Jeunet a ainsi pu faire à peu près ce qu'il voulait sur le film. Comme je me montrais positif, c'était pour moi un peu comme une grosse pub, finalement ils m'ont plutôt laissé quand je disais non, ils me respectaient, derrière il a dit non, c'est qu'il peut pas. Toujours selon Sylvain Després, le film aurait malgré tout été tourné exactement selon les désirs de la Fox. Ce qui prouverait donc qu'Alien la Résurrection n'a pas sa place dans la franchise, où chaque film a été conçu dans la douleur par des artistes qui ont bataillé dur pour imposer leur vision. Cependant, ce qui fait la particularité des films de la saga Alien, c'est que chaque film est le résultat d'un choc artistique entre deux univers radicalement différents. Ce sont par exemple les designs extrêmement précis et réalistes de Ron Cobb qui s'entrechoquent avec l'univers torturé et psychosexuel de Giger dans le premier Alien. Où l'action et la mise en scène basée sur le mouvement de James Cameron qui tranche radicalement avec l'ambiance contemplative et les cadres très travaillés de Ridley Scott sur Aliens. Enfin, même si Alien 3 est un film beaucoup plus accidenté que ses deux illustres prédécesseurs, on retrouve un peu de la vision médiévale du projet complètement fou de Vincent Ward dans la planète prison imaginée par David Towie. Si Alien 4 semble être un pur produit de studio, on retrouve pourtant bel et bien ce fameux choc artistique entre le film écrit par Joss Whedon et celui tourné par Jean-Pierre Jeunet. Il convient d'ailleurs de relativiser un peu le contrôle de la Fox sur ce quatrième volet. En effet, comme nous l'avons vu, Whedon et Jeunet semblaient parfaitement s'accommoder de la direction que souhaitait prendre le studio. Dès lors, ils ont tous les deux été relativement libres dans la plupart de leurs choix. Et oui, finalement les seules consignes que Whedon devait respecter, c'était d'écrire un film flippant comme le premier Alien, palpitant comme Aliens, et de faire revenir Ripley. Ce qui, mine de rien, laisse pas mal de liberté pour construire une histoire, au point même d'angoisser quelque peu notre scénariste. Terrified and helpless for many months. Il y a quand même une chose que Whedon n'a pas réussi à faire passer auprès du studio, écrire un film de la saga Alien qui se déroule sur Terre. Initialement,
Le climax d'Alien 4 se déroulait d'ailleurs sur notre bonne vieille planète bleue. Mais après moult réécritures, la séquence a tout simplement été abandonnée pour des raisons budgétaires, et le seul vestige restant est le plan final de la version longue présente dans le coffret Alien Quadrilogy. Ce climax mettait en scène Ripley et Cole qui, après le crash du Betty dans une forêt, tentaient d'arrêter le Newborn avant qu'il n'aille ravager une ville. Par bien des aspects, cette séquence est une réminiscence du combat final d'Aliens de James Cameron, puisqu'en plus de combattre une gigantesque créature, Cole se bat aux commandes d'une machine appelée Harvester, qui rappelle un peu le Power Loader du second volet, ne serait-ce que dans l'idée de détourner un appareil de manutention pour en faire une arme. D'ailleurs, Joss Whedon est connu pour truffer ses scénarios de référence à la pop culture. I understood that reference. Et Alien 4 ne fait pas exception. Le film est parsemé de références à la saga, certaines assez évidentes comme l'ordinateur de bord qui s'appelle Phaser en référence à Mother dans le tout premier Alien. Father. D'autres un peu plus obscures. Par exemple, vous vous souvenez de la mort bien crado du Newborn dans le film ? Eh bien dans le scénario, cette mort était d'abord réservée à un soldat, puis au général Perez. Mais Jean-Pierre Jeunet trouvait qu'il s'agissait d'une fin un peu trop dramatique pour un personnage secondaire comme Perez, et il décida de l'utiliser pour le Newborn. Ici, Whedon réutilise en fait une idée qui provient du tout premier volet de la saga, puisque c'est ainsi que Ridley Scott souhaitait initialement faire mourir le personnage de Rebecca Cartwright. Le scénariste n'hésite pas non plus à inclure des références et des citations dans des moments clés du film, comme par exemple la scène très réussie de la salle des clones qui renvoie au laboratoire d'Aliens, ou encore la réplique de Ripley numéro 7 qui est une sorte de tradition dans la saga. Mais l'apport de Whedon ne se limite bien évidemment pas à un jeu de citations. Si l'on s'intéresse aux œuvres scénarisées par Joss Whedon, on se rend bien vite compte que son écriture tourne principalement autour des personnages. Il a un faible pour les marginaux isolés qui vont révéler tout leur potentiel au contact d'autres protagonistes. Et pour faire le pont avec Aliens, c'est aussi quelque chose que l'on retrouve dans l'écriture de James Cameron, que ce soit John et Sarah Connor dans Terminator 2, Bud et Lindsay Brigman dans Abyss ou encore Rose et Jack dans Titanic. Le seul moyen pour ces personnages d'avancer et de se transformer, c'est en acceptant de se lier aux autres. On remarque d'ailleurs un certain motif récurrent dans les épisodes de la saga Alien. Si dans le premier film, le personnage de Ripley est de plus en plus isolé et finit même par être la seule survivante du Nostromo, dans Aliens, elle se reconstruit et surmonte son traumatisme en recomposant au contraire une sorte de famille avec X et surtout avec Newt. Puis dans Alien 3, le personnage est de nouveau isolé. Le traumatisme qu'elle pensait avoir laissé derrière elle s'avère finalement insurmontable et elle finit par sacrifier sa propre vie. A son tour, Whedon prend le contre-pied du volet précédent et choisit au contraire de rassembler les personnages, notamment au travers de la relation entre Cole et Ripley. D'ailleurs, comme beaucoup de spectateurs de l'époque, Whedon n'avait pas du tout aimé Alien 3. Et de la même manière que les auteurs du troisième volet avaient expédié en un plan le parcours de Ripley dans Aliens, Whedon fait de même et se détache radicalement du ton introspectif et nihiliste d'Alien 3. En effet, alors qu'ils tentent de retourner à leur vaisseau, les membres de l'équipage du Betty se font attaquer par un xénomorphe. C'est alors qu'ils sont sauvés in extremis par Ripley. Si dans le film, cette dernière expédie la créature d'un tir de fusil à pompe, le scénario de Whedon mettait les capacités surhumaines de Ripley à l'honneur et prévoyait tout un combat à main nue contre l'alien. À l'issue de cette lutte acharnée, notre héroïne arrache l'espèce de langue phallique de la créature en poussant un cri de victoire inhumain. Alors certes, contrairement au scénario, la séquence tourne un peu au gag dans le film. Make a nice souvenir. Néanmoins, l'idée reste la même. Ripley vient de castrer le xénomorphe, preuve que désormais, il n'a plus aucune emprise psychologique sur elle. L'autre singularité de l'écriture de Joss Whedon, c'est qu'il aime détourner les codes des genres qu'il investit. Par exemple, dans la série Buffy, il joue avec les codes du teen movie, de l'horreur ou encore du slasher. En effet, dans la scène d'ouverture du tout premier épisode de la série, le personnage que nous pensions être une victime de slasher lambda s'avère être en fait la prédatrice, et il n'est pas interdit de voir dans cette séquence la note d'intention de tout le reste de la série. Même si Whedon n'est pas le dernier pour faire des gags méta, son but n'est pas de faire de la parodie en donnant des coups de coude aux spectateurs, enfin du moins pas dans les séries. En effet, comme le fait remarquer le film Crit Hulk dans un de ses articles, cette subversion des tropes et des clichés de la pop culture est au cœur même du développement de ses personnages. Il n'est jamais gratuit et amène son lot de conséquences irréversibles et parfois tragiques pour les protagonistes. Par exemple, le love interest de l'héroïne peut soudainement devenir son pire ennemi. Une caricature de bibliothécaire coincée peut devenir super badass,
Ou encore, un personnage timide de sidekick peut devenir la méchante la plus marquante de toute la série. Bored now. Bien évidemment, ce qui marche en télévision ne marche pas forcément sur une durée plus condensée. Ainsi, au cinéma, ce jeu de détournement est au mieux un peu poussif. Au pire, il désamorce la tension dramatique au détriment du développement des personnages et de leurs relations. Pour Alien 4, si Whedon avait la consigne de faire cadrer son scénario dans l'univers établi par les deux premiers volets, le concept du clonage lui a offert le prétexte parfait pour détourner et remodeler complètement le personnage de Ripley. Et oui, avec cette idée, Joss Whedon a un tantinet roublardisé le studio qui lui avait imposé de faire revenir l'héroïne de la saga contre son avis. En effet, dans Alien 4, Ripley n'est pas Ripley. Ellen Ripley died 200 years ago. You're not her. I'm not her. Elle est le 8e clone d'une personne morte il y a 200 ans, et elle n'est qu'un clone partiel de l'héroïne puisqu'il s'agit d'un hybride mi-humain, mi-alien. Dès lors, Whedon peut faire à peu près ce qu'il veut du personnage. On peut même y voir un brouillon pour de futures héroïnes whedoniennes, comme Buffy Summers, dont la force surhumaine provient d'une source maléfique, ou encore comme River Tam dans Firefly, qui possède également des capacités physiques et psychiques hors du commun, mais qui partage le même détachement émotionnel que Ripley envers ses compagnons. Ainsi, pendant le film, Ripley s'interroge sur sa propre nature d'hybride, mais elle va se réhumaniser progressivement au contact du personnage de Cole, une androïde qui n'assume pas sa nature synthétique et dont la différence fait écho à celle de Ripley. Si la fin n'est plus celle qu'envisageait initialement Whedon, le tout dernier plan est resté sensiblement le même que dans ses premières versions du scénario. Les deux héroïnes sont côte à côte et contemplent un nouvel horizon. C'est donc bien du côté des personnages qu'il faut creuser pour voir quels sont les apports les plus importants de Whedon à ce quatrième volet d'Alien. Il s'est d'ailleurs rendu compte longtemps après Alien 4 que l'équipage du Betty lui avait inconsciemment servi de base pour les héros de sa série Firefly. Malheureusement, ce quatrième volet est surtout un souvenir douloureux pour le cinéaste, puisque lorsqu'il a découvert le film en salle, il s'est rendu compte que Jean-Pierre Jeunet avait fait un film radicalement différent de celui qu'il avait écrit. Il a d'ailleurs déclaré en interview qu'il y aura toujours un alien merdique dans la franchise, un alien avec son nom générique, et on retrouve même quelques petites piques à Alien 4 dans ses séries. I mean, Raj has always had a thing for those disgusting alien movies, with all that slime and teeth. Oh, he just can't get enough of them. Except for that last one they made, I think he dozed off. Et il faut dire que ce sont ni l'histoire ni les personnages qui ont poussé Jean-Pierre Jeunet à accepter la réalisation d'Alien la Résurrection, mais tout simplement la possibilité d'être aux commandes d'un blockbuster hollywoodien. Du coup, il serait bien commode de mettre tous les défauts du film sur le dos du réalisateur en prétextant qu'il n'en avait pas grand-chose à foutre de la saga Alien. Mais ce serait un procès un peu injuste, surtout quand on se rappelle que Ridley Scott n'était pas dans un état d'esprit très différent lorsqu'il est arrivé sur le premier volet. Car même s'il semblait n'y voir qu'un exercice de style, Jeunet va tout de même confronter son univers personnel fait de briques et de brocs à celui d'une saga mythique de science-fiction. Si Whedon offre une vision neuve du personnage de Ripley, il faut tout de même reconnaître que son scénario est avant tout celui d'un film d'action matiné de quelques éléments horrifiques qui restent assez sagement dans le sillage du second volet de James Cameron. C'est ce qu'on appelle de manière un peu péjorative un film hollywoodien, quoi. En revanche, comme nous l'avions vu dans notre épisode consacré à Délicatessen, le cinéma de Jean-Pierre Jeunet et de son compère Marc Caro s'inscrit dans des traditions très françaises. Et c'est ainsi que notre Frenchie va transformer Alien 4 en une sorte d'hybride entre un film d'action américain et un film d'un genre typiquement français. Comme nous l'avons vu plus tôt, Jeunet ne savait pas tellement pourquoi on était venu le chercher pour réaliser ce quatrième volet de la saga Alien. Mais au-delà de son univers visuel, le choix d'un réalisateur français n'est pas si incongru, dans la mesure où le premier volet de Ridley Scott est l'héritier d'une science-fiction européenne, celle du magazine Metal Hurlant, qui était un vivier foisonnant d'artistes aux univers riches et variés, comme par exemple Marc Caro, avec qui Jeunet a réalisé ses premiers films. En premier lieu, Jeunet se donne donc pour mission d'inclure une idée par plan, et en vrai passionné d'art forain, il va jouer avec les effets spéciaux et fabriquer quelques bricoles, comme ce whisky en cube, ou le fameux détecteur d'haleine un peu absurde qui sert à déverrouiller les portes. Identification, please. Bon, à vrai dire, c'est loin d'être la seule touche d'absurde dans le film, au point qu'on peut même dire qu'Alien la Résurrection est le premier volet de la franchise à s'aventurer du côté de la comédie. Mais il n'est pas interdit d'y voir une inspiration d'un autre genre. Dans Délicatessen et La Cité des Enfants Perdus, Caro et Jeunet s'inspiraient d'une certaine culture française en mêlant réalisme poétique, art forain et univers fantastique à la Jules Verne. Alien la Résurrection évoque en revanche un autre pan un peu oublié de la culture hexagonale, le Grand Guignol.
Si de nos jours, le terme grand guignolesque a une connotation péjorative et désigne un spectacle outrancier au point d'en être grotesque, il trouve son origine dans le nom d'un théâtre très populaire entre la fin du 19e siècle jusqu'à la moitié du 20e, le théâtre de Grand Guignol. Et oui, avant d'être un genre, le Grand Guignol est avant tout le nom d'un théâtre parisien du 9e arrondissement où se jouaient des pièces tantôt comiques, tantôt horrifiques, particulièrement riches en hémoglobine et en effets spéciaux crado. Le théâtre de Grand Guignol est le précurseur du gore au cinéma, et c'est d'ailleurs le cinéma qui sera en partie responsable du déclin du théâtre jusqu'à sa fermeture en 1963. A ma connaissance, Genet n'a jamais dit s'être inspiré du Grand Guignol pour Alien 4. Néanmoins, on remarque qu'il s'agit du film le plus gore de toute la franchise, mais aussi du plus léger. Jean-Pierre Genet va ainsi apporter un côté très cartoon à certaines scènes qui n'avaient pas vocation à être comiques, comme ce moment où le docteur Gediman se fait attraper par un alien. Sometimes I was a little bit worried about the humor. It was a big release during the first test screening, because everybody laughed, in fact. Ou encore la mort assez ridicule du général Pérez qui n'a pas fait l'unanimité dans l'équipe. I love this scene, but the studio didn't like it, and they wanted to cut it. Ce mélange d'horreur et de comédie confère au film une ambiance bizarre, presque surréaliste, qui n'a pas été du tout du goût de Joss Whedon. S'il a concédé que son scénario n'avait pas été réécrit dans son dos, il a néanmoins fustigé la direction d'acteur et les choix de casting de Jean-Pierre Jeunet. Par exemple, le docteur Gediman était un jeune docteur enthousiaste qui finissait par sombrer dans la folie. Mais comme c'est Brad Dourif qui joue ce personnage, eh bien on a l'impression qu'il est cinglé depuis le début. Idem pour le docteur Wren, qui était un personnage beaucoup plus ambigu dans le scénario, mais qui est campé par G.E. Freeman, qui a d'entrée de jeu une tronche de bad guy. Même si on peut trouver la réaction de Whedon un brin excessive, il faut tout de même reconnaître que les personnages ont pris un sacré coup dans le film. Peut-être est-ce parce que Genet ne parlait pas un mot d'anglais sur le tournage, mais le casting donne l'impression de ne s'exprimer qu'en punchline et ne provoque pas vraiment d'empathie. Who do I have to fuck to get off this boat? De la même manière, la relation entre Cole et Ripley est à peu près préservée, mais une bonne partie de la tension qui régnait entre les deux personnages dans le scénario est bazardée dans le film. Cependant, s'il y a un point sur lequel Genet a eu, à mon sens, un peu plus de nez que Whedon, c'est sur la confrontation entre Ripley et le Newborn, une séquence qui semble pourtant avoir pas mal divisé le public. Dans les premières versions du scénario, le monstre dépeint par Whedon était une gigantesque machine à tuer dotée de 6 membres arachnéens, d'une peau blanche comme l'ivoire, et comme les aliens, il n'avait pas d'yeux. Chez Genet, en revanche, il s'agit d'une créature improbable, grotesque, qui donne l'impression d'être mal formée comme les horreurs conservées dans la salle des clones. Le fait qu'il reconnaisse Ripley comme sa mère induit l'idée que le Newborn est en quelque sorte le reflet monstrueux de la nature hybride de l'héroïne. Si le combat contre le monstre n'était finalement qu'une scène d'action de plus dans le film imaginé par Whedon, chez Genet, la mise à mort du Newborn a un écho tout particulier pour le personnage du 8e clone d'Ellen Ripley. En effet, si elle accepte sa part monstrueuse, elle fait malgré tout le choix douloureux de s'en débarrasser pour redevenir un être humain. Mais à vrai dire, ce choix a surtout l'air d'être douloureux pour le Newborn. Comme nous l'avions vu dans notre épisode consacré à Alien 3, chez Fincher, le xénomorphe n'était plus ce symbole de l'altérité absolue comme dans les deux premiers volets de la saga. En nous montrant des humains infectés par les mêmes pulsions violentes que les aliens, le troisième volet a ouvert la voie aux hybridations monstrueuses d'Alien la Résurrection. En effet, la somme des visions de Whedon et de Genet va pousser cette fusion entre les humains et les aliens jusqu'à son paroxysme, puisque pour la première fois dans la franchise, ce ne sont plus les humains mais les monstres qui suscitent notre empathie. Et oui, même si leurs univers sont radicalement opposés, les deux auteurs ont fait le choix de nous faire adopter le point de vue des monstres, qu'ils soient d'apparence humaine comme Cole ou Ripley, ou bien qu'ils ressemblent à de gros tas de morphes comme le Newborn. Alors certes, on peut trouver plein de défauts à Alien 4, mais malgré tout, c'est bien en effaçant totalement les frontières entre les humains et les aliens que le film de Whedon et de Genet a trouvé sa place dans la saga Alien. My mommy always said there were no monsters, no real ones. But there are. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à partager notre vidéo, à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche en bas à droite. On en profite pour remercier chaleureusement nos donateurs sur Tipeee et sur la plateforme Tacotac, ainsi que ceux qui ont souscrit à notre chaîne YouTube. À bientôt !